سبورانيه دونك باش نصلح لكم سيري جديده على الشابتر 1 في الجيومتري اللي هو لي زونغ دونك نبدا بالاكزرسيس 1 سوا ان سيركل سي دو سونتر او دو ديامتر بي سي اي ا ان بوين دو سي تيل كو ا بي سي ايغال 30 دوغري Quelle est la nature du triangle ABC? Justifiez votre réponse. Construire CX, la bisectrice de l'angle ACB. CX recoupe le cercle C en un point E. Calculez la mesure de l'angle BCE. Calculez la mesure de l'angle AEC. Montrez que AE et BC sont parallèles. Donc, amlou un effort personnel, haoulou tsalfo l'exercice wahadkom. Khadraman a rappel du cours, khdemna deux séries, donc najmou tsalfo wahadkom l'exercice, on va dire que tchoufou la collection, bien sûr, tchoufou chnoua fèche glotto ou la fèche wahil, ok? Donc, nabda tsalf l'exercice, chnoua andi lehne, soit un cercle C de centre O, de diamètre BC, et un point de C tel que l'angle ABC égale à 30 degrés. Donc, awel haja n'amel rasm mta'i, donc, un cercle C, donc ça c'est le cercle interne, bien sûr, donc, moi j'ai atteint le diamètre ou atteint le rayon, donc le cercle quelconque, voilà, donc soit c'est un cercle, et le cercle, de centre A au centre O, donc, et le cercle C. Donc, de diamètre BC, j'ai le diamètre interne, donc BC, voilà, ça c'est notre diamètre, et le point B, où est le point C. Donc, soit A un point de C, donc A, je trouve que je suis à C, ou la condition, elle est A, B, C, égale à 30 degrés. Donc, l'angle, elle est, donc, elle est, RAS, HAF, B, donc, RAS, Z, elle est B, donc, sommet, B, égale à 30 degrés. Donc, elle est, l'angle A, B, C. Donc, bien sûr, nous mettons le point A, tel que A, B, C, égale à 30 degrés. Donc, je vais vous faire un triangle. Je vais vous faire un triangle. Donc, l'aîné équilatéral. Allez, je vais vous faire 60 degrés. On va faire une bisectrice à 60 degrés. Donc, je vais vous faire 30 degrés. Donc, l'angle est 60 degrés. Voilà. Donc, là, je vais vous faire donc l'aîné. Il est 60 degrés. Ah, là, je vais vous faire 30 degrés. Donc, là, une bisectrice de cet angle. نحاول الكومباس دونك ما يتحركش جيت مع السيركل دونك فوالا دونك فوالا دونك البوان هادي دونك انا باش نعمل هكا البيسيكتريس نتاعي هاو دونك هادي 30 دوغري لانترسيكسيون دو بيسيكتريس و سيركل سي باش نسميها البوان ا فوالا دونك الا هي موجوده على السيركل سي دو تيل سورت لونغل ا بي سي هادي ايغال 30 دوغري Voilà, qui est une petite figure interne. Donc, quelle est la nature de triangle ABC? Justifiez votre réponse. Donc, à votre triangle interne, bien sûr, c'est un triangle, un rectangle en A. Okay? Donc, allez, en effet, son côté ABC est diamètre de son cercle circonscrit. Voilà, donc, pour dire, un dimoutalement joue de cercle. Ou le côté MTAOI est diamètre de cercle, donc automatiquement, on aura rectangle fait sommet A. Okay? Donc, question numéro 1. ABC est un triangle rectangle en A. Donc, en effet, donc, son côté BC est diamètre. Donc, son côté BC est diamètre de son cercle circonscrit. Voilà. Si on y va, là, donc construire CX, la bisectrice de l'angle ACB. Donc, l'ENM, je n'ai pas de bisectrice dans l'angle. Donc, en direct. Mais je vais vous montrer la figure tool. Vous voyez, donc, j'ai déjà fait ça pour l'année. Donc, je vais vous montrer les bisectrices, qui font les milieux, qui font les cercles. Et donc, les méthodes que je vous montre. Donc, elle est aussi X. Donc, je vous ai mis X. CX coupe le cercle C en un point E. Avec un cercle C, mais je vais vous montrer la première sens. Donc, coupe en un point E. Donc, l'intersection mobile bisectrice de l'angle A, C, B ou cercle C, c'est un point E. Okay. Quelle est la nature, donc quelle est, pardon, la mesure de l'angle BCE? L'angle, elle est en C, donc l'angle BCE.
Voilà, donc il y a une mesure de cet angle. Tout simplement, donc, nous, triangle, c'est un triangle rectangle. On dit 90 degrés. Bien sûr, il y a des données ou l'exercice 30 degrés. On dit donc les jaunes. Voilà, donc là où j'allais, l'angle est les jaunes. Donc, il y a l'angle ACB sur 2, puisque c'est X ou la bisectrice. Okay? Donc, question 2. Puisque donc CX est la bisectrice de l'angle donc l'angle ACB, alors donc l'angle ECB quoi égal à 1 demi de ACB. Voilà, il est au large. Donc dans le triangle, je vais vous montrer comment faire une réduction dans le maths. Donc, dans le triangle ACB, on a, donc, j'en ai un triangle, sont de ces angles égales à 180 degrés. Maintenant, tu as l'angle BAC plus l'angle ACB plus l'angle CBA, donc, égal 90, donc 180 degrés. Donc, j'en ai un, bien sûr, l'angle BAC, il est 90 degrés. L'angle ABC, donc il y a 30 degrés. Donc, quand cet angle, tout simplement, donc l'angle ACB égale 180 degrés, moins 30 degrés, moins 90 degrés. Voilà, donc je me suis dit, je suis dit, je suis dit, voyez, donc 90 ou 30, donc 120, bien sûr, 180 et 120, donc égal à 60 degrés. Or, nous n'avons pas besoin de l'angle, donc l'angle ECB égale 60 sur 2, donc est égal à 30 degrés, tout simplement. Voilà. Ok. Donc, on va dans les questions les bases. Calculer donc la mesure de l'angle AEC. L'angle AEC. Voilà. Donc, ça aura ça à faire. Donc, il y a l'angle qui va l'air. Voilà, donc il y a par l'angle ici. Ok, donc l'angle AEC. Ben, je vais vous dire, donc il y a une question qui est très importante. Donc, l'angle est AEC. Ou on dit l'angle est différent. L'angle. Donc, ABC. Je vais vous dire ces deux angles. Je vais vous faire le résumé. Donc, ces deux angles inscrits qui interceptent le même arc AC. Voilà, donc, AWIN, ces deux angles, je m'en passe en égaux. Ok, je vais vous faire le résumé. Je vais vous faire le résumé. Donc, l'angle AEC égale l'angle ABC qui est égal 30 degrés. Donc, bien sûr, on met tout à l'échelle car sont deux angles donc inscrits qui interceptent le même arc AC. Donc qui interceptent, le même arc AC. Tu as bien sûr le résumé, mais je sais tout d'accord. Donc déjà, que je suis question numéro donc 3, montrer que AE et BC sont parallèles. Donc là, nous avons l'année. Les droites AE et BC forment avec la séquence CE. Avec la séquence CE, nous forment deux angles alternes internes. Et les humains. Donc, les deux angles. Donc, ces deux angles alternes internes, sont égaux. Donc, dès que les deux angles alternes internes sont égaux, alors AE et BC sont parallèles. Ok, donc, j'ai une question telle. Donc, AE et BC forment, donc, avec la séquence CE, deux angles alternes internes qui sont égaux. Il y a les deux angles, il y a A, E, donc C, qui est égal à C, B, qui est égal à 30 degrés. Alors, ces deux donc droites sont parallèles. Voilà.
انا قلنا نحن اذا كان عندي دو زونغ التيرن انترن سون تيغو الوغ لي دو دووات سون باراليل والعكس زاد صحيح اذا كان عندي دو دووات باراليل انا نعرف من الاول انه لي دو دووات باراليل الوغ لي دو زونغ التيرن انترن سون تيغو قلنا نمشيو دونك في لي دو سونس هذا ليكزارسيس لي بعدو دونك سوا ا بي سي ان تريونغل ايزوسيل اي ريكتانغل اون ا On désigne par O le milieu du segment BC, soit M un point de OC, H le projeté orthogonal de M sur AB et C le cercle circonscrit au triangle AHM. Le cercle C coupe la droite AC en un point N. Quelle est la nature du quadrilatère donc HAAHMN ? Montrer que O appartient à C, montrer que le triangle ONH est rectangle, donc les droites AM et HN se coupent en un point I, évaluer la mesure de l'angle NAO, en déduire la nature du triangle OIN. Bien sûr, donc, ou le haja, n'amour la smintéana et d'ala smashir, ok, mais je n'ai jamais répondu à les questions. Donc, soit ABC, un triangle isocèle et rectangle en A. Donc, je n'ai pas un triangle isocèle et rectangle donc en A. Bien sûr, donc, je n'ai pas un triangle. واش عطيني لي ميزور نحاول ناخذ رسم ابري دونك كبير شويه باش يكون واضح لكم دونك اول حاجه باش نعمل ريكتانغل دونك لي انغل 90 دوغري اون ا اي ايزوسيل دونك باش ناخذ لهنا ميم ميزور فوالا دونك فوالا Donc, le triangle intérieur, il est A, B, C. Donc, triangle, rectangle et isocèle, on désigne par O le milieu du segment BC. Donc, les nems, je n'ai pas le milieu de notre segment BC. Bien sûr, on dit, je n'ai pas 6,5. Donc, il y a 3,25. Voilà. Donc, là, je m'en tourne, bien sûr, le compas. Ben, donc, on désigne par O, il est le milieu de... segment BC, soit M un point de OC, donc un point mené, donc H le projeté orthogonal de M sur AB, maintenant je rate la mesure, donc un point M, H est le projeté orthogonal donc de M sur AB, voilà, et AB, donc tout simplement, je suis un projeté orthogonal, donc ça c'est le point H, donc ça c'est le point H, Et c'est le cercle circonscrit au triangle AHM, ou le triangle interne, donc AHM, voilà, ça au triangle autre couleur, je n'ai jamais le cercle circonscrit. Voilà. Donc, les neiges n'ont rien dit. On dit le rectangle, le triangle interne, le rectangle en H. Donc, le diamètre d'un cercle, je n'ai pas le cercle en M, voilà. Donc, Ginero, centre donc de cercle, il y a donc le milieu de A, M. Donc, l'aîné a dit 3,5. Donc, 1, après, donc l'aîné. Voilà. À l'échelle, je vais vous le cercle circonscrit. Donc, des triangles rectangles, il y a le diamètre A, M. Voilà. Donc, on va gagner sur le cercle. Donc, on va le compagnie de la règle. نخدم دونك على ليكرون هذاك علاش دونك نحاول ديما الكومبا نتاعنا ما يتحركش فوالا سا سي نوتر سيركل سيركونسكري هاويني فوالا دونك هذه هي سيركل سي اوكي دونك لو سيركل سي كوب لا دروات ا سي دونك فوالا لهنا اون ان بوان ان كيل اي La nature du quadrilatère AHMN. Oui, nous avons AHMN. Voilà, elle est. Je ne trouve la nature. Okay. Donc, là, nous avons bien sûr. Donc, nous avons dit 90 degrés, l'angle radique, ou nous avons dit 90 degrés. Okay. Donc, elle est radiée, mais l'exercice, c'est un rectangle, rectangle triangle rectangle. Pardon. Donc, nous avons dit AMN, A, M, N, donc un triangle rectangle, ok? On a le cercle C, diamètre de A, diamètre donc de A, M, et N, un point de cercle C. Donc, il y a des petits coups qui kiffent rectangle, rectangle, triangle, rectangle, pardon. Donc, on a donc le cercle C de diamètre A, M, donc, et N, un point de C. Alors,
Alors, le triangle AMN est donc rectangle en N. D'accord? Déjà, qui m'a triangle ou ligne. Donc, il y a un rectangle. Voilà. Donc, ça, c'est triangle rectangle. Là-haut. Mais, donc, de même, on dit, AHN, donc AH, donc N, et AHM sont rectangles respectivement en A et H. D'accord? Donc sont rectangles. Alors, AHMN a trois angles de droite. L'angle est dit Kaïma ou l'angle est dit ou l'angle est dit. Donc c'est un rectangle. Okay? De même, je dis AHM, kif-kif est un triangle rectangle. H, An kif donc AM donc A pardon l'année a dit AHM ou An kif donc le ABC est un triangle rectangle. En A. Alors, je dis l'angle en A égale à l'angle en H égale à l'angle en N égale à 90 degrés. Alors, quadrilatère avec un de trois angles droits. Donc, AHMN a trois angles droits. Donc, il y a l'angle en A, l'angle en H ou l'angle en N. Alors, c'est un rectangle. Donc, un rectangle. Voilà, donc ahwa, ben un rectangle. Donc c'est un rectangle. Il suffit de trois angles droits, donc c'est un rectangle. Ok? Donc maintenant les questions les bas a montré que O appartient au cercle C. Donc O déjà on au cercle C, ils ont le O appartient au cercle. Donc on a ABC, un triangle rectangle et isocèle en A. Ok? O le milieu de BC. Donc ABC est donné, nous l'exercice. Un triangle rectangle et isocèle en A. Donc, on dit O, oui, le milieu de BC. Je vais vous dire comment vous démarrez la simple. Je vais vous dire en même temps, je vais vous parler de la figure. Okay? Donc, les nous avons dit AO perpendiculaire à BC. Donc, AO psycho perpendiculaire à BC. AO et BC sont perpendiculaires à Romain. Et ils ont fait l'amour. Comme les ont fait 7e année. Donc, le milieu, donc, le sommet d'un triangle, donc, il est 90 degrés. Donc, AOM est un triangle rectangle en haut. AOM est un triangle rectangle en haut. Et donc un triangle rectangle en haut, AM, diamètre de cercle. Alors, donc, donc O appartient au cercle. Voilà. Donc, t'as des questions à l'épargne. Montrer que le triangle ONH, le triangle ternaire, donc est rectangle. Voilà. Donc, les autres questions. Bien sûr, je suis un rectangle en haut. Je dis au parler oralement, t'es bon. Donc, je n'ai rien dit. NH, c'est le diamètre du cercle C. O appartient au cercle C. Donc, automatiquement, le triangle ONH donc, est un triangle rectangle. Allez, je vais vous donner un côté de NH, diamètre du cercle C. Tout simplement, on applique. Donc, c'est un triangle rectangle. Okay? Donc, bien sûr, le cercle C est circonscrit au triangle donc ONH. Donc, le diagonale HN, voilà, du rectangle, donc, diamètre de cercle, alors O est un point de C, et questionnaire, donc, et ONH, rectangle en O, voilà. Donc, dans la question des bases, les droites AM, oui, nos droites internes, donc, AM et HN, donc, HN, je vais se coupe en un point I, donc, il y a le point I.
Voilà, évaluer la mesure de l'angle NAO. NAO. Donc, il y a une mesure de cet angle. Voilà, NAO. OK. Donc, n'tabou bilkda, nhab mesure de cet angle. Bien sûr, l'angle نتاعنا اللي هي N, donc notre angle quoi est égal. باش نعمل هي somme de ces deux angles باش نخدم كل واحدة واحدة. OK. Donc عندي l'angle نتاعي اللي هي N AH, donc égal N AM plus M AO. هذه اول étape. L'étape الثانية شنو عندي هنا؟ باش نطلع l'angle هذه اللي هي M A donc MAO à quoi est égal? Nous avons A, donc BC, rectangle, un triangle rectangle, donc, et isocèle en A. Nous avons NAO qui est le lieu de BC. Alors, là, AO, AO est la bisectrice donc de l'angle. AO est la bisectrice de l'angle donc CAB. Voilà, donc donc CAB égale à 90 degrés, donc l'angle MTI CAO est 45 degrés. OK, donc NAO est 45 degrés. Voilà. Donc, où est-ce que j'ai l'angle NAO, voilà. Donc, je suis 45 degrés. Quelle est la méthode de l'année? Donc, CAB, l'angle derrière CAB, donc, égale 80, donc, 90 degrés, ce qui donne, donc, l'angle CAO égale 45 degrés. Quelle est l'étape de l'année? L'étape finie, je vais la somme de ces deux angles. Donc, il y a NAM, NAM plus MAO. Ben, احنا شنو عندنا؟ عندنا هذايا هو الميليو دو سيت انجل. دونك هذه باش تكون بيان سور لهنا هيك هذايا هو الميليو وهذايا هو الميليو دو سيت انجل. دونك هذه باش تكون هذوما الصوم نتاعهم باش يكون 45 دوغري. دونك بيان سور ميثود هذه اسهل. دونك طول هو عندي ان تريانجل ريكتانجل ايزوسيل ان ا بويسك او هي لو ميليو دو بي سي. دونك ا او هو البيسيكتريس. دونك هذيك باش تكون 90 على 2 اللي هي 45 دوغري. Donc, les questions les bades ont montré que donc les questions les bades ont déduire la nature du triangle OIN ou notre triangle interne. Donc OIN, voilà, donc A. Donc une nature, donc une nature de ce triangle. Bien sûr, c'est un triangle rectangle, puis un triangle rectangle en I. OK, allez. Donc, Andy, OIN est un angle au centre de cercle C. Ah, l'angle D. OIN, voilà, donc, il y a l'angle de centre. OK, donc, l'énergie, je pense que l'angle est là. Donc, Andy, l'angle est là. Andy, l'angle est là. Donc, qui intercepte l'arc ON, l'arc comme théorie ON, et qui associe à l'angle inscrit OAN. OAN, voilà. Donc, ces deux angles, je vais, donc OIN, l'angle OIN, égale à 2 fois AON, fois OAN. Donc, il y a double, l'angle, il y a double, ok. Mais maintenant, il y a 45, et il y a 90. Alors, je vais vous montrer comme les noms, je vais vous montrer juste les deux angles, les deux angles, et il y a les cercles, il y a un hacker. Voilà, عندي هذا السنتر. دونك انا باش نلوج على لونغ لي كوات ايغال. احنا حسبنا انه هذه 45 درجه. دونك لونغ هذه هي 2 فوا 45 دوغري. فوالا علاش تو سامبلومون. دونك باش نعطيكم لهنا التعليل علاش. دونك بيان سور شفنا في الريزومي عندي او اي ان est un angle, bien sûr, on tape dans un rasme كبير ou donc on tape لهنا démarche est un angle au centre du cercle C, donc qui intercepte l'arc ON et qui est associé à l'angle inscrit OAN. Donc, je vais vous dire, OIN
égale à 2 OAN. Donc, est égal 2 fois 45 degrés égale 90 degrés. Alors, le triangle est rectangle en I. Alors, OIN est rectangle. Donc, en I. Voilà.